Eh bien bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans cette nouvelle émission du Talk Show. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 20 avril 2018, nous sommes le 110e jour de l'année. Il en reste 255 pour la finir et nous sommes, comme toutes les semaines, avec mon équipe presque au complet. Puisque cette semaine, malheureusement, nous n'avons pas la charmante Lana avec nous. On va lui faire un petit coucou d'ailleurs. Oui, elle est toute seule sur son lit d'hôpital. Des gros bisous à Lana. Ah ouais, Lana. Ouais, c'est ça, tu l'as bien dit encore une fois, toi. Bon, allez, dans cette émission, vous retrouverez, comme à l'accoutumée, l'ami Kélio au micro, notre petite nouvelle de l'émission, la charmante Julie. Bonsoir à tous, bonsoir les auditeurs. Et puis, bah, nous aurons, alors Lana qui n'est pas là, nous aurons l'ami Steph. Alors Steph, vous l'avez entendu, avec sa première bafouille de la soirée. Ah, faut bien commencer, il fait chaud, voilà, la transpiration, ça fait bafouiller. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous aurons à la technique de cette émission, comme toutes les semaines, l'ami Valentin. Bonsoir les auditeurs d'RC2 et bonsoir l'équipe. Et puis enfin à la vidéo, comme toutes les semaines, l'ami Florian avec nous. Bonsoir. Bonsoir Florian. Comme toutes les semaines, le petit bonsoir de Florian qui est très très discret. Ce soir et d'ailleurs aujourd'hui, nous avons fêté les Odettes. Alors bonne fête à toutes les Odettes. Hein. Bonne fête les Odettes. Bon, et alors, comme toutes les semaines, vous aurez dans cette émission vos fameuses rubriques. Vous aurez d'un côté la parole de l'auditeur. Alors Stéphane, dis-nous tout sur cette parole de l'auditeur. Alors, un plan sioux pour draguer. Vous connaissez les plans sioux? C'est les petits trucs qui croient, ouais, ça va marcher. Je viens, je sais pas, un petit exemple, je viens avec une guitare et je fais signe que je sais jouer. Hein, genre un petit exemple comme ça. Ah ouais, style sur la plage, j'amène la guitare avec les filles, voilà. Comme ça c'est sur sûr. La plage, déjà, voilà. Tu vois, je vais pouvoir choper voilà. Un petit peu de filles. Surtout, faut pas en jouer. Ouais. C'est ça. Alors, un petit plan comme ça, hein, pour okay. La drague, si vous avez un petit truc pour faire profiter à tout le monde. Hein. Eh ben, il n'y a pas de souci, on va se trouver ça, mon Steph. Bon, on y va. Y a aucun souci. Vous aurez, alors, cette semaine, malheureusement, pas la météo de Lana, puisque ce sera la météo de Julie. Que se passe-t-il dans notre ciel cette semaine? Eh ben, on a pu le voir, il fait super chaud. Oui, et ça continue pour le week-end, donc c'est une bonne nouvelle. Eh ben, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, bah, on verra ça tout à l'heure. Tout à fait. Nous aurons le sexe chaud de Juju. Ah et ouais, ça se mange, c'est un plat, non? Pour la petite histoire quand même, nous sommes alors forcément en direct des studios de RC2 et bah je t'ai trouvé effectivement un petit nom pour ta rubrique, voilà. Le sexe chaud. Je l'ai découvert en live, voilà. Là, tout de suite. J'aime beaucoup. C'est bien vu quand même, non? Oui, très bien. Bon, très bien. Alors tu vas nous parler de quoi cette semaine? Cette semaine, vu que Lana n'est pas là et que je suis la seule femme, oui. Et ben j'ai envie de tester vos connaissances, les hommes, sur la sexualité féminine. Ah d'accord, j'ai eu peur. Je crois qu'elle allait dire on va faire un gangbang. Non, un petit test. Vous calmez, je m'en doutais que toute seule, ça allait dégénérer. Mais non. Bon, allez, comme toutes les semaines, vous retrouverez également le fameux jeu des 4 questions avec 1, 2, 3 et... 4 questions. Merci Valentin. Ouais, il n'y a que Valentin qui suit dans cette émission. C'est quand même terrible ça. Hein. Bon, on aura également le défi de Steph qui a été préparé par l'ami Florian. Alors, Florian, ouais. Prends un micro vite fait au passage comme ça et dis-nous tout sur ce fameux défi de Steph. Il est venu avec des petits bocals, alors je sais pas ce qu'il y a dedans. Ouais. Alors attends déjà, Florian, oui. Il est venu avec des petits bocals. Des bocaux? Ouais. Un bocal, radio, des bocaux. Radio éducative, bah, des petits bocals. Pas dit dépôt, c'est okay. Mieux. C'était pour savoir, c'était petit test. Non mais c'est bien. C'est bien amené ça. C'est bon ça. Tu le gardes pour le prochain. Un bocal. Alors vas-y Florian, qu'est-ce qu'il y a pour le défi de Steph? Ce sera un petit quiz. Oui. Opposant Julie, hein, pour son cadeau de bienvenue, on va dire. Ah ouais, c'est bien. À Steph, tu vas pas y échapper. Non, bah non, c'est normal, c'est mon truc. Dont le buzzer sera une tapette à souris. Ça promet. Ça commencer. Va commencer à être rigolo, c'est les pour défis. Commencer. Celui qui buzz et qui répond bien est sauvé. C'est l'opposant qui aura le gage. D'accord, et qui mangera donc une petite mixture, des petits bocaux. De ma propre composition. Que tu as préparé. Alors tout est voilà. Comestible, rassure-nous. Alors séparément, c'est comestible. Ensemble, j'ai un léger doute. Ah, d'accord, ok. Vous avez préparé les cuillères. A priori, on m'a dit qu'il n'y avait pas d'allergie, donc il ne devrait pas y avoir d'accident. Ça sent le gros bizutage. Ah bon, hein. Ok. Vous avez des petits sacs, hein, parce que c'est des vomis. Bon, on aura l'horoscope cette semaine. Alors le titre. L'horoscope. Signe. Bah, ouais, le signe de la semaine. Il est perturbé. Sagittaire, cette semaine. C'est vrai? Oui. Bon, et ben, on fait confiance. On verra ça tout à l'heure. Et ça va te faire bosser ce soir, hein, t'as vu? Ah oui. À peine arrivé
dans cette émission. Allez hop, au boulot. Et pas que ce soir, toute la semaine. Oui, oui, t'as bossé toute la semaine. Et t'as bien fait. Bon, et on aura, alors comme toutes les semaines, dans cette émission, le fameux duel rétro. Et alors là, pour Stéphane, je vais la faire, le duel rétro viseur. Il n'a pas compris. Non, non, attends, je t'écoute. Elle fait du bruit avec ses petites feuilles. Donc, d'un côté, nous avons le Nouti avec Alteran Dang 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 Dang. Alteran Dang 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 Dang. Quand elle a son poum poum shot. Et ton problème, c'est simplement qu'elle s'en moque. Alteran Dang. Quand elle whine dans son shot. Et qui s'oppose cette semaine au Science Super Crew avec Angela.